besoin de toi, maître. Heureuse est la mère qui t'a porté et allaité. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui l'observent. Apprends-nous à prier, comme Jean l'a appris à ses disciples. Quand vous priez, dites « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Protège-nous contre la tentation et délivre-nous du mal. » Dans les Saintes Écritures, Dieu déclare que le Messie viendrait pour être le Sauveur du monde. La vie de Jésus prouve qu'il est bien celui dont les prophètes avaient parlé. Ésaïe a prophétisé que la Vierge deviendrait enceinte et qu'elle enfanterait un fils. Des siècles plus tard, la naissance de Jésus accomplissait cette prophétie. Les Saintes Écritures déclaraient que le Saint à naître serait appelé le Fils de Dieu. Cela signifiait que Jésus serait le Fils de Dieu au sens spirituel et non au sens physique. Nous le voyons par sa manière de vivre. Il a guéri des malades, il a pardonné leurs péchés, les a ramenés à Dieu et leur a promis une place dans le royaume éternel de Dieu. Il s'est offert lui-même en sacrifice pour le péché à leur place. Puis il est revenu à la vie, victorieux sur la mort selon le plan de Dieu. Jésus a dit « Personne ne me prend la vie, mais je la donne de ma propre volonté. » La vie de Jésus n'a pas seulement accompli les écrits des prophètes, mais elle a aussi confirmé la vérité de la sainte parole de Dieu. Les prophètes avaient écrit « Ta parole, ô mon Dieu, est parfaite, elle dure à toujours. » Jésus lui-même a dit « Le ciel et la terre disparaîtront, tandis que mes paroles ne disparaîtront jamais. » Jésus est venu pour nous donner la vie dans toute sa plénitude. Mais quand l'homme a désobéi à Dieu dans le jardin d'Éden, il a choisi sa propre voie et ses actions l'ont séparé du Créateur. Les Saintes Écritures déclarent que « tous ont péché » et que le salaire que paye le péché, c'est la mort. Il s'agit de la mort spirituelle, éternelle séparation d'avec Dieu. Mais tout comme Dieu a donné un bélier pour qu'il meure à la place du fils d'Abraham, ainsi il a envoyé Jésus, le Messie, mourir à notre place. Sa vie, sa mort et sa résurrection restaurent la relation entre Dieu et tous ceux qui mettent leur confiance en lui. Maintenant, non seulement Jésus pardonne les péchés de ceux qui le suivent, mais il les sauve aussi du jugement éternel de Dieu. Ils sont sûrs d'aller au paradis et de vivre avec lui pour toujours. C'est cette vie et cette liberté de la culpabilité et du pouvoir du péché que Jésus offre à chacun aujourd'hui. Cela ne veut pas dire suivre une religion, mais choisir d'avoir foi en Jésus qui dit « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Cela veut dire se tourner vers Dieu et croire que Jésus vient dans nos vies pardonner nos péchés et nous rendre tels qu'il veut que nous soyons. Il ne suffit pas d'approuver intellectuellement ce qu'il dit, ni de vivre une expérience émotionnelle. Nous le recevons par grâce, au moyen de la foi, par un acte de notre volonté. Lorsque quelqu'un est prêt à suivre Jésus le Messie, il peut lui parler par une simple prière. Peut-être êtes-vous prêt maintenant à ouvrir votre vie à Dieu. Si oui, vous pouvez vous joindre à la prière suivante, silencieusement.
dans votre cœur. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Merci d'être mort sur la croix pour mes péchés. Je confesse mes péchés et je m'en repens. Je t'ouvre la porte de ma vie et je te reçois comme mon Sauveur et Seigneur. Merci de me pardonner mes péchés et de me donner la vie éternelle. Fais de moi le genre de personne que tu veux que je sois. Maintenant que je deviens l'un de ceux qui te suivent. Amen. Jésus a dit à propos de ses disciples, « Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Pour expérimenter la vie en abondance promise par Jésus, ceux qui le suivent parlent à Dieu chaque jour dans la prière et lisent ou écoutent sa parole. Ils parlent de lui à d'autres personnes et rencontrent régulièrement ceux qui l'aiment et le suivent. N'oubliez pas sa merveilleuse promesse. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et sachez-le, je vais être avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Albarka ta tabbata ga masu jin maganar Allah suna kiyayewa. Koya mana addu'a yadda Yahaya ya koya wa almajiransa. Idan kuna addu'a ku ce, ya Uba da ke cikin sama, a tsarkake sunanka. Mulkinka ya zo, mulkinka ya tabbata a sama da ƙasa. Ka ba mu abincin yini, ka gafarta mana laifofinmu gama muna gafarta wa duk wanda yake mana laifi. Kada ka kai mu wurin jaraba, amma ka cece mu daga mugu. Cikin littafi mai tsarki Allah ya shaida Almasihu zai zo ya ceci dukkan duniya. Rayuwar Yesu ta shaida lalle shine annabawa suka yi zancen zuwansa. Annabi Ishaya ya ce wata budurwa za ta yi ciki ta haifi ɗa. Bayan shekaru da dama haihuwar Yesu ta cika wannan annabcin. Littafi mai tsarki ya ce mai tsarkin nan da za a haifa za a ce da shi dan Allah. Wato za a kira Yesu dan Allah ba ɗa na jiki ba amma ɗa na ruhu. Hakan ya bayyana ta wurin rayuwarsa. Ya warkar da masu cuta. Ya gafarta zunubansu ya shirya su da Allah. Ya kuma alƙawarta musu mulkin Allah na har abada. Ya ba da kansa hadaya domin zunubansu ya tashi daga matattu. Yesu ya ce, ba mai karɓe mini rai don kaina nake ba da shi. Rayuwar Yesu ta cika annabcin annabawa ta kuma ƙarfafa gaskiyar maganar Allah. Annabawa sun shaida cewa maganar abar dogara ce kuma tabbatacciya ce ya Ubangiji. Yesu ya ce sama da ƙasa za su shude amma magana ta ba za ta shude ba. Yesu ya zo ya ba mu rai a yalwace.
ganin yadda mutun yayi wa Allah rashin biyayya a gonar Adenin, mutun ya zabi bin hanyar sa wadda ta raba shi da mahallicin sa. Littafi mai tsarki ya ce, ‘Yan Adam duka sun yi zunubi, sakamakon zunubi ko mutuwa ne, wato mutuwa ta ruhu kenan. Kamar yadda Allah ya tana da rago a maimakon ɗan Ibrahim, haka Allah ya aiko Almasihu ya mutu a madadinmu. Rayuwa da mutuwa da tashinsa sun maida dangantaka tsakanin Allah da masu dogara ga Yesu. Yanzu masu bin Yesu ba gafarta zunubansu kadai aka yi ba, amma an cece su daga hukunci, an tabbatar musu da shiga aljanna. Rai da ‘yanci daga ikon zunubi ne Yesu ke ba kowa a yau, ba bin wani addini ba, amma ana zancen gaskata Yesu wanda ya ce, ga ni nan tsaye a bakin ƙofa ina ƙwanƙwasawa. Kowa ya ji murya ta yi buɗe ƙofar sai in shiga wurinsa. Ana nufin mu juyo ga Allah mu dogara ga Yesu ya shigo zukatanmu, ya gafarta mana ya maishe mu karɓaɓɓu gare shi, ba abin marmari ko tunaninsa a zuciya kaɗai ba. Karɓarsa za mu yi da san ranmu ta wurin alheri saboda bangaskiya. Duk wanda ke so ya zama mai bin Yesu Almasihu zai iya magana da shi cikin addu’a. Mai yiwuwa kana shirye ka buɗe ƙofar zuciyarka, za ka iya yin wannan addu’ar a cikin zuciyarka. Ya Yesu, ina buƙatar ka. Na gode da mutuwar da ka yi don zunubaina. Na furta zunubaina da roƙon gafara. Na buɗe zuciyata, na karɓe ka ka zama mai cetona da Ubangijina. Na gode domin gafarar zunubaina, ka bani raina har abada. Ka maishe ni irin mutumin da kake so. Yanzu da na zama cikin masu binka. Amin. Yesu ya yi magana kan masu binsa da cewa, tumakina sun san muryata, na san su suna bina. In masu bin Yesu suna so su samu rai da ya alkawarta, dole ne su yi addu’a suna karatu da sauraron maganar Allah kullum, su yi ta zumunci da juna suna shaida shi ga wasu. Tuna da alkawarinsa cewa, an mallaka mini dukkan iko a sama da ƙasa, gashi ni kuma ina tare da ku har matuƙar zamani.